vous demanderait s'il vous plaît de prendre place pour l'entrée des participants et pour une présentation spéciale. Welcome. We ask you to please find your seat for the entrance of our participants and a special welcome. Avant d'accueillir nos participants, nous sommes très heureux d'avoir parmi nous aujourd'hui la lieutenant-gouverneure du Nouveau-Brunswick, l'honorable Jocelyne Roy-Vienneault, accompagnée de son époux, son honneur Ronald Vienneault. Before welcoming our participants, we are honored to have with us today the Honorable Jocelyne Roy-Vienneault, New Brunswick's Lieutenant Governor, accompanied by her husband, the Honorable Ronald Vienneault. Nous vous demandons, s'il vous plaît, de vous lever afin de les accueillir chaleureusement. Please rise and give them a warm welcome. Bienvenue parmi nous, votre honneur. Welcome among us, your honor. Sans plus tarder, les voici. Veuillez demeurer debout pour l'arrivée des participants. Without further ado, here they are. We invite you to stand up for our delegates' arrival. Sous la chanson thème de la conférence Into the Limelight de Danny Canado, nous vous demandons de frapper des mains pour accueillir nos délégations seront accompagnés des élèves de notre école élémentaire et nos spirit leaders. Accompanied by spirit leaders, elementary school students, and the conference's theme song, Into the Limelight, by our very own Danny Canado, here are our delegates. Faites du bruit pour l'Ontario! Ontario!
Bonjour et bienvenue à la conférence canadienne de leadership étudiant 2016. Hello and welcome to the 2016 Canadian Student Leadership Conference. Nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir ici à Edmundston. We are extremely excited to have you here with us in Edmundston. Vous êtes tous des leaders naturels et cette semaine, nous vous avons préparé des activités qui seront plaires à tous les goûts. Nous vous souhaitons une semaine remplie de découvertes. You are all natural leaders and you will see that we have organized a week full of activities to suit all of your needs. We wish you a week full of discoveries. Nous voulons premièrement souligner la présence de nos dignitaires. Nous vous demandons, s'il vous plaît, de vous lever lorsque nous nommerons votre nom. First, we would like to acknowledge the presence of our dignitaries. We ask you to please rise as we call you on. Son honneur, Jocelyne Roy-Viennot, lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick. The Honorable Jocelyne Roy-Viennot, Lieutenant General of New Brunswick. Son époux, son honneur, Ronald Viennot. Her husband, the Honorable Ronald Viennot. Madame Michelle Daigle, adjointe de circonscription à Monsieur René Arsenault, député Madawaska-Restigouche. Mrs. Michelle Daigle,
constituency assistant to Mr. René Arsenault, Madawaska-Restigouche's MLA. L'honorable Francine Landry, députée de Madawaska-Lilac, ministre du Développement économique, Opportunité Nouveau-Brunswick et la Francophonie. Honorable Francine Landry, MLA of Madawaska-Lilac, Edmundston, Minister of Economic Development, Opportunity Nouveau-Brunswick and la Francophonie. L'honorable Brian Kenny, ministre de l'Éducation et Développement de la Petite Enfance du Nouveau-Brunswick. Mr. Brian Kenny, Minister of Education and Early Childhood Development of New Brunswick. Monsieur Gérald Richard, sous-ministre de l'Éducation et Développement de la Petite Enfance du Nouveau-Brunswick. Mr. Gérald Richard, Deputy Minister of Education and Early Childhood Development of New Brunswick. Monsieur Marcel Lavoie, sous-ministre adjoint de l'Éducation et Développement de la Petite Enfance du Nouveau-Brunswick. Mr. Marcel Lavoie, Assistant Deputy Minister of Education and Early Childhood Development of New Brunswick. Madame Madeleine Dubé, députée Edmundston-Madawaska-Centre. Mrs. Madeleine Dubé, Federal Deputy of Edmundston-Madawaska-Centre. Monsieur Cyril Simard, maire de la ville d'Edmundston. Mr. Cyril Simard, Mayor of Edmundston. Monsieur Luc Caron, directeur général du district scolaire francophone du Nord-Ouest. Mr. Luc Caron, Superintendent of the Northwest Francophone School District. Monsieur Bertin Lan, directeur de la Cité des Jeunes A.M. Somani d'Edmundston. Mr. Bertin Lan, Principal of the Cité des Jeunes A.M. Somani in Edmundston. Monsieur Don Homan, Président de l'Association canadienne de leadership étudiant. Mr. Don Homan, President of the Canadian Leadership Student Association. Monsieur Richard Landry, Président du Conseil d'éducation du district scolaire francophone du Nord-Ouest. Mr. Richard Landry, President of the Education Council for the Northwest Francophone School District. Monsieur Samuel Leblanc, President du Conseil des élèves de la Cité des Jeunes A.M. Somani d'Edmundston. Mr. Samuel Leblanc, President of the Student Council at the Cité des Jeunes A.M. Somani in Edmundston. Monsieur Bertrand Beaulieu, ancien directeur général du district scolaire francophone du Nord-Ouest. Mr. Bertrand Beaulieu, past superintendent of the Northwest Francophone School District. On aimerait aussi souligner la présence des maires des différentes municipalités du Nord-Ouest et leurs conjoints et conjointes. We would also like to acknowledge the presence of the mayors of the neighboring municipalities and their spouses. Monsieur Michel Leblon, village de Rivière-Verte. Monsieur Roger Lévesque, village de Sainte-Anne-de-Madawaska. Monsieur Roland Dubé, village de Saint-Hilaire. Madame Francine Caron, village de Bakerbrook. Monsieur Pierre Michaud, village de Claire. Madame Pierrette Bouchard, maire adjointe du village de Saint-François de Madawaska. Mentionnons également la présence des conseillers et de la conseillère de la ville d'Edmundston. We would also like to acknowledge the presence of our Edmundston City Council members, Monsieur Michel Serré, Monsieur Camille Roy, Monsieur Gérald Monneau, Monsieur Éric Marquis, Monsieur Éric McGuire et Madame Lise Ouellette. De nombreux donateurs sont aussi présents avec nous. We are also honored to have among us a few of our generous sponsors. Madame Lise Ouellette, directrice du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus d'Edmundston. Monsieur Jacques-Paul Couturier, vice-recteur de l'Université de Moncton, campus d'Edmundston. Madame Suzanne Gagnon, directrice du programme des élèves internationaux du Nouveau-Brunswick, place aux compétences. Monsieur Jean-Louis Caron, directeur adjoint place aux compétences. Monsieur Hermel Chiasson, directeur coopération et vie associative, Unie coopération financière. Madame Carole Martin, vie associative, Unie coopération financière, d'Edmundston. Monsieur Marcel Dubé, du club Richelieu de Saint-Jacques. Monsieur Gilbert Bérubé, président du club Richelieu Edmundston. Monsieur Don Bélanger, président enseigne Patterson.
Monsieur Marc Arsenault, président de l'Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick. Messieurs Éric Long et Paul Bérubé, Raymond Chabot, Grant Thornton. Madame Chrissy Saint-Pierre, directrice générale, et Charlène Ouellette, directrice aux ventes Fort Point by Cheriton Edmundston. Monsieur Louis Ouellette, Pizza Delight and Score. Monsieur Francis Saunier, éditeur-directeur général Acadie Nouvelle. Monsieur Luc Daigle, propriétaire, et Christian Daigle, directeur des ventes Daigle Jackets et produits promotionnels. Monsieur Thomas Soucy, directeur groupe Wesco. Madame Mylène Violette, présidente, et Monsieur Denis Lagacé, coordinateur, secrétariat à la jeunesse d'Edmundston. Monsieur Sylvain Sirois, gérant Atlantic Superstore Edmundston. Monsieur Denis Albert, superviseur restaurant McDonald's. Monsieur Robert Haley, vice-président Uniforce, section locale 29. Monsieur Denis Nadeau, Nadeau Soucy, Ellis Architect. Monsieur Maurice Thibodeau, le légumier du Madawaska. Monsieur Murilo Soucy, directeur général CJM FM 92.7. Monsieur Daniel Girard et Madame Jeanne Girard, Canam Construction. Monsieur Tony Bellefleur, Boxen Woodwork. Steve Roussel, SR Art Studio. Monsieur Marco Goodbout et Madame Vicky Wallace Goodbout, Edmundston Truckstar. Madame Christine Dubé, directrice des opérations Edmundston Truckstar. Monsieur Jeff Ouellette, directeur radio CFAI 101.1. Caporal Tony Dunphy, GRC. Et constable Paul Cyr, force policière d'Edmundston. À ce moment, nous aimerions inviter son honorable Jocelyne Roy-Vienneau, lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick, à venir nous adresser la parole. At this moment, we would like to invite the Honorable Jocelyn Roy-Vienneau, Lieutenant Governor of New Brunswick, to come address the Assembly. Wow! Quelle belle énergie! Merci, thank you. Honorable Brian Kenney, ministre de l'Éducation. Honorable Francine Landry, ministre responsable pour la francophonie, entre autres. Madeleine Dubé, députée de l'Assemblée législative. Monsieur le maire Cyril Simard. Luc Caron, directeur du district scolaire. Teachers, parents, volunteers, friends in education, and especially students, chers étudiants. Yeah. C'est
C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être ici avec vous ce soir. My husband Ronald and I are so happy to be with you all tonight. Welcome to New Brunswick. Bienvenue au Nouveau-Brunswick. I feel honored to be here to talk about leadership and what each of you will bring to this conference. More importantly, I am excited with the possibilities of what you will each take away. Bien sûr, je suis la lieutenant-gouverneur, mais j'ai également travaillé dans le domaine de l'éducation postsecondaire durant toute ma carrière. So, I have an interest in what you do, how you do it, and how you learn. Alors, je suis ravie d'avoir l'occasion de faire votre connaissance, d'entendre vos histoires, d'apprendre de vos expériences. Nous sommes ici afin de célébrer vos accomplissements, de souligner vos énergies, de regarder vers l'avenir. Un avenir qui sera, j'espère, une longue expérience d'apprentissage. There is an old Irish proverb: praise youth and it will prosper. Those are certainly words to remember as we consider each one of you and the leadership skills you possess. I'm not here to offer a motivational speech or a pep talk. I'm here to talk about my own views of leadership. As a society, we spend a lot of time talking about leadership. So it must be important to us. But what is leadership? We look to leaders to calm fears, to solve problems. When we feel anxious or lost, we look to leaders to make us feel better. When things go wrong, we are quick to blame our leaders. Sometimes they become heroes, like athletes or astronauts. But are these people really leaders? As times have changed, so have the qualities of leaderships. We look for leaders who genuinely want to serve because service is a signal of love, of passion. Too often, we confuse leadership as being something that comes from a position of authority. In reality, that doesn't work today. Because today, no one person can face change, take charge, and lead. It takes everyone to think about change, to pursue new directions, to take risk. It takes everyone to add their knowledge, their innovation. A leader today and in the future relies on all of that complex knowledge and innovation to show us where to go next. A true leader today knows that those whom you lead probably know more than ever before, probably more than we do. That might be everyone in this room. One of the most important roles as leaders is to inspire those around you, coworkers, superiors, families, the media, but what about inspiring ourselves? As you plan your futures, your careers, and your lives, ask yourself if you are pursuing the things you really love. Today, I ask you to reevaluate, to rethink, to reassess. Find your passion and follow it. That is the sign of true leadership. C'est un signe de vrai leadership que de suivre ses passions. Martin Luther King said, "The human heart is like a millstone in a mill. When you put wheat under it, it turns and grinds and bruises the wheat into flour. If you put it no wheat, it still grinds and grinds itself away. Individuals are inspired to greatness,
not motivated to it. Because when we are inspired, we love something. We love doing it. We love the people we do it with. We love the reason for doing it. I see it every day as lieutenant governor here in New Brunswick. Comme lieutenant de gouverneur du Nouveau-Brunswick, depuis les deux dernières années, j'ai le privilège de visiter la province, visiter des endroits que je n'ai jamais vécu, visiter avant, même une petite province comme le Nouveau-Brunswick, et de rencontrer des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Des gens qui sont impliqués dans leur communauté et qui font une différence dans leur communauté. Ce sont des leaders à leur façon. I regularly meet people doing good and genuine things whose stories are hardly ever told, whose actions go unnoticed, but who are having an incredible impact in this province. These are the people doing small things, good things for others, or for their community, not for reward or personal gain. Ils le font parce qu'ils croient dans ce qu'ils font. Ils le font parce qu'ils ont un sentiment très fort que les causes pour lesquelles ils travaillent sont des causes qui sont importantes pour eux et pour leur communauté. Ils le font parce qu'ils ont le sentiment que c'est la meilleure chose à faire. I know now that I admire those people who can follow their own paths and do their own things. They have faith. And it's only through faith and personal belief that you can change the world. I admire and respect that kind of courage. That is leadership. Tonight, as you begin your conference, I want to leave you with some simple words, 10 simple actions to apply to your own lives. Dream. Rêver. Set goals, no matter how lofty, and go after them. Acknowledge. Reconnaître. Recognize yourself. Vos talents. Reconnaissez vos talents, vos forces, vos faiblesses, as well as those of the people around you. Work. Travailler. Work hard. Travaillez fort. Set your mind to something and go for it. Learn. Apprendre. Life is a never-ending education. Never think that there isn't any more to learn. Il y a toujours quelque chose à apprendre de nouveau. Persevere. Persévérer. It's the only way to stay focused and to motivate yourself forward. Appreciate. Appréciez ce que vous avez. The little things, the small victories, even the failures. There is something to gain from everything and everyone around you. You just have to take time to realize it. Believe. Croire. Ayez confiance. Croyez en vous-même. Croyez en vos forces. If you believe in yourself, others will too. Hope. L'espoir. Where would we be without hopes and dreams? Love. Aimer. Love life. Love yourself. Love every single day. And finally, live. Vive. Live your own life for you. Every minute, every hour, every day. Don't waste a second. Because you know it, before you know it, it's gone. Life does not have to bring profit. Life is a gift, something to be enjoyed. Because the future holds boundless energy, endless possibilities, and new excitement. I believe that you face a world as big as your own dreams and ideas. Je crois que cette conférence est un exercice qui vous permettra de visionner l'avenir à la fois comme province, comme peuple, comme pays. This is about leadership. And leadership is an art. Just like music, painting, or poetry, leadership is a form of individual expression. It reflects one's personality. In 2016, New Brunswick is a model of diversity, officially bilingual
and proudly multicultural. Use your experience here to lead the change, because when you go back to your school, to your friends, to your communities, you will be leaders. You are already. You will be able to make change happen. As an individual, acting alone can accomplish much, but one person does not have all the answers. A group of people acting together, sharing ideas, united, can accomplish wonders. I look forward to what the future holds, and I look forward to having lunch with you tomorrow to continue this discussion. So thank you. Merci beaucoup. Have a wonderful evening. Merci, Madame Roy-Vienneau. Thank you, Mrs. Roy-Vienneau. J'aimerais souligner la présence de M. Bill Conconi de l'ACLE et de M. Luc Morin du groupe WESCO. Veuillez maintenant accueillir M. Don Homan, président national de l'Association canadienne de leadership étudiant. At this time, we would like to invite Mr. Don Homan, chairperson of the Canadian Student Leadership Association, to come say a few words. Bonjour, mes amis. Au nom de la personnel de l'Association canadienne de leadership étudiant et du conseil d'administration, je tiens à vous souhaiter à tous les bienvenus à CSLC 2016 Leader Naturel. On behalf of the Canadian Student Leadership Association staff and board of directors, I want to welcome you all to CSLC 2016 Natural Leader. Merci. Je tiens tout particulièrement à donner un grand merci pour les co-présidents Eric Marquis et Denise Aymon-Gendron et leur comité pour 2 ans et du travail rendant CSLC 2016 une réalité. I especially want to give a big thank you out to the co-chairs Eric Marquis and Denise Aymon-Gendron and their committee for 2 years of hard work making CSLC 2016 a reality. Également un remerciement particulier à Cité des Jeunes en Somme à Tequila La Conference. Also, a special thank you goes out to the Cité des Jeunes en Somme Sarmanet for hosting the conference. Pour les familles de logement, je vous remercie de votre générosité en accueillant des étudiants de partout au Canada dans leur maison. To the billeting families, thank you for your generosity in welcoming students from across Canada into your homes. Aux délégués qui je vous mets en défi de sortir de votre zone de confort et de participer activement à toutes les activités et de trouver des façons de prendre à quelle idée pour faire de votre collectivité mieux. To the delegates, I challenge you to step out of your comfort zones and actively participate in all activities and workshops, and then find ways to take home ideas to make your communities better. And one of the ways you can do this is with your cell phones during your keynotes and the workshops. Turn them off and be there. I know you'll want to text people and tell them what's going on and the rest of it, but during the keynotes and the workshops that have been specially put on for you, there's going to be some awesome ideas and neat things for you to learn. So if we can, I know it's easy for me with the gray hair to do it, and for the younger it's not so easy, but if you could do that, it would be much appreciated. Prenez le temps également pour rencontrer de nouveaux amis et de profiter de votre temps avec vos familles de Kiel. Take time also to meet new friends and enjoy your time with your billet families.
N'oubliez pas de remercier vos conseillers pour avoir consacré un moment de leur vie bien chargée pour vous permettre de participer à cette conférence extraordinaire. And again, don't forget to thank your advisors for taking time out of their busy lives to allow you to participate in this awesome conference. Rappelez-vous que vous ne sommes pas les leaders de demain. Vous êtes les leaders d'aujourd'hui. Remember, you're not the leaders of tomorrow. You are leaders of today. D'avoir une conférence excellente. Have a great conference, everyone. Merci. Merci, Monsieur Homan. Thank you, Mr. Homan. À ce moment de la soirée, nous allons faire la lecture d'un message du Premier ministre du Canada, l'honorable Justin Trudeau. At this moment, we'll be reading a message from our honorable Prime Minister, Justin Trudeau. Bienvenue à la 32e édition de la Conférence canadienne de leadership étudiant dans la belle ville d'Edmonton, au Nouveau-Brunswick. En tant qu'enseignant et premier ministre, j'aimerais remercier sincèrement les étudiants, les parents, les enseignants et le personnel qui ont participé à l'organisation de cet événement extraordinaire et inclusif, dans le cadre duquel les gens de toutes les générations pourront enseigner, écouter et apprendre ensemble. Au cours de ces 5 jours, vous aurez l'occasion de partager vos idées, de prendre part à des ateliers, d'assister à des conférences et de rencontrer vos homologues étudiants canadiens. De plus, ce congrès sera l'occasion idéale d'approfondir les liens et de nouer des relations durables. Il sera sans aucun doute vous fournir les outils nécessaires qui vous permettront de devenir des leaders efficaces. Vous représentez ces leaders de demain, notre richesse, notre avenir et notre prospérité. Je suis convaincu que les liens que vous établisserez au cours des prochains jours seront des plus enrichissants. Je vous souhaite une conférence agréable et fructueuse. N'oubliez pas de prendre le temps d'explorer la ville d'Edmonton. Il s'agit d'une magnifique ville à découvrir et qui représente un joyau de notre pays. Welcome to the 32nd Canadian Student Leadership Conference in beautiful Edmonton, New Brunswick. As a teacher and prime minister, I would like to give my sincerest thanks to the parents, teachers, and staff who have played a role in organizing this extraordinary and inclusive event where people of all generations have the opportunity to teach, listen, and learn together. Over these next 5 days, you will be able to share your ideas, take part in workshops, attend lectures, and meet your fellow Canadian students. This conference will also be an excellent opportunity to strengthen ties and build lasting relationships. There is no doubt that it will provide you with the tools you need to become an effective leader. You are the leaders of tomorrow. You are our wealth, our future, and our prosperity. I am certain that the relationships you form over these next several days will be extremely rewarding. I wish you an enjoyable and productive conference. Do not forget to take some time to discover Edmonton, a wonderful place to explore and a jewel among Canada's cities. Nous aimerions maintenant inviter Madame Madeleine Dubé, députée Edmonton-Madawaska Centre, à venir nous dire quelques mots. We now invite Mrs. Madeleine Dubé, deputy of Madawaska Centre, to come up stage and say a few words. Bienvenue, welcome Canada.
plusieurs dignitaires, all the dignitaries, like you all, I feel privileged to be here with you and to feel the good energy. Comme tous les dignitaires. Comme tous les dignitaires ici présents, ça me fait plaisir. Et je ressens l'énergie. Et cette énergie va nous projeter dans le futur. With all the energy there is here tonight, all of you coming from all corners of our great country, you decided to come to this conference because you have something to offer, not only to learn, to offer. You're here to make friends, establish relationship that you're going to cherish for the rest of your lives. Parce que vous avez choisi cette conférence, vous avez choisi de participer, vous avez choisi de vous engager. Tous ensemble, I feel that because all of you here, that we're going to find solutions and to develop a better world for all of us and for future generations. Thank you to Ministry of Education and to the Department of Education, to the school district, to notre district scolaire. Merci d'avoir cru en ce projet. Merci d'avoir cru en M. Marquis et Mme Gendron. Merci d'avoir rêvé. For all of you volunteers, we have a lot of people from business people here as well that give because they believe that even if we're a small town, we can dream big. And we can make things happen because when we do work together, we can realize the biggest dream ever. And for us, you are here. So that was our dream, and it's reality tonight. Merci. Bonne conférence à tout le monde. Et on se retrouve. Merci, Madame Dubé. Nous vous demandons maintenant d'accueillir chaleureusement notre mascotte CG qui s'avancera avec nos deux porte-parole étudiants. We now ask you to welcome our school's mascot, CG, along with our two student representatives, Élise Gendron et Jacob Pelletier. Bonjour tout le monde! Nous sommes très heureux de finalement vous accueillir pour cette conférence. We have been working hard during these three last years to bring you a conference where you'll learn about yourself, about how to become the best leader for your school and your community. Les activités prévues pour cette semaine ont été préparées avec soin et nous vous promettons cinq journées extraordinaires. Pouvons-nous faire un beau bonjour à CG? CG, say hi to our delegates from all over Canada. Oui, ce sont des délégués de partout au Canada qui sont réunis ici aujourd'hui. Wow! CG, could you recognize all the provinces' flags? Alors, les voici. Nous demandons à Caporal Tony Dunphy de la Gendarmerie royale du Canada et de Constable Paul Cyr de la Force policière d'Edmonton de bien vouloir se rendre aux portes d'entrée du pavillon afin d'escorter les drapeaux de nos provinces et territoires du Canada. Les drapeaux, portés par les membres de l'escadron 313 des cadets de l'aviation d'Edmonton ainsi que des Spirit Leaders, entreront dans la salle dans le même ordre que les provinces sont entrées dans la Confédération. We are now ready to welcome the members of the 313 Edmonton Air Cadets along with the Corporal Tony Dunphy from the Regional Canadian Mounted Police and Constable Paul Cyr
from the Edmonton Police Force to bring in the flags in order of their entrance in the Confederation. Woo. Nous vous demandons de bien vouloir vous lever afin d'accueillir Marie-Ève Caron, Noémie Roussel et Catherine Couturier, tous trois élèves de la 8e année, sous l'habile direction de Mme Sylvie Martin, afin à venir vous interpréter une version originale de notre hymne national. We now ask you to please rise and welcome Marie-Ève Caron, Noémie Roussel et Catherine Couturier, 8th grade students, directed by Mme Sylvie Martin, to come and sing their very own interpretation of our national anthem. Veuillez s'il vous plaît remercier chaleureusement nos cadets de l'air Escadron 313 ainsi que nos interprètes de l'hymne national. Please give a warm thank you for the Air Cadets Squadron 313 and to our interpreters for the national anthem.
We can also say goodbye to our good friend Siji. Mais c'est OK, Siji. Est-ce que tu vas rester avec nous toute la semaine? All right. Siji will come back and visit us every day. Bye, everyone. On vous souhaite une belle conférence. De partout à travers le Canada, vous nous arrivez plein d'énergie. Notre député de Madawaska-Risgouche, M. René Arsenault, tenait à vous envoyer un mot de la part du gouvernement fédéral. Nous demandons à Mme Michelle Daigle de venir nous livrer son message. CSLC students from all across Canada are here full of energy. Madawaska-Risgouche deputy, Mr. René Arsenault, wanted to send you a message from the federal government. We ask Mrs. Michelle Daigle to come say a few words on his behalf. Bonsoir. Quel beau pays le Canada, hein? What a wonderful country Canada is. Monsieur le maire, avez-vous déjà pensé d'avoir tout le Canada réuni dans une salle chez vous? Bravo! Wonderful to have you here. Premièrement, j'aimerais vous dire comment déçu votre député René Arsenault est de ne pas pouvoir être avec vous ce soir. Mr. Arsenault is really sad not to be able to be here with you. But they needed him in Ottawa for the next few days. Distingués invités, membres du comité organisateur, Madame la lieutenant-gouverneur, ministre, bénévoles, participants, et surtout vous, jeunes leaders. Young leaders, welcome. Le gouvernement du Canada est fier d'être à nouveau partenaire de ce bel événement. Déjà 25 ans que nous contribuons financièrement
à l'organisation de ce rassemblement national axé sur vous, les jeunes. It has now been 25 years that the Government of Canada is a partner in this annual conference, and this is all for you, young leaders. Notre région, quelle belle région du Canada vous allez découvrir. Edmundston is one of the most beautiful regions of Canada. You will have time to discover this in the next few days. Notre région vous accueille les bras ouverts et compte vous faire vivre des moments inoubliables. Vous verrez que le comité organisateur a tout mis en place pour assurer une réussite. The organizing committee has put everything in place to make sure that you young leaders live a wonderful next few days. Please enjoy. Prenez le temps de vivre pleinement votre séjour. Profitez de toute l'information qui sera partagée avec vous lors des ateliers et prenez l'occasion que s'offre à vous pour découvrir notre région, notre culture et notre langue. Please take time to listen, to absorb everything that you're going to live, go through all those conferences this week. And please take time to discover also our beautiful region, our culture, and our language. Vous repartirez encore mieux outillés pour faire bouger les choses dans vos écoles et collectivités respectives. Maintenant, à l'occasion d'acquérir de nouvelles connaissances, d'agrandir votre réseau et de vous lier d'amitié avec d'autres jeunes de partout au Canada. Make ties, make new friends, and you will leave here with lots of memories, and I'm sure you will take the time to come back. Profitez de cette expérience unique. Partagez vos idées. Take time to share. Have your say. Share your experience. Share what you live in your part of Canada. Bonne conférence et bon séjour parmi nous. Votre député de Madawaska-Restigouche, René Arsenault. Thank you. Le logo que nous avons choisi pour notre conférence a différentes significations. Commençons à la souche. Le tronc de l'arbre représente un leader, bien ancré dans le sol, ouvert sur le monde. Our logo has many significations. It all starts with the trunk, also called the leader, who is anchored to the ground, arms outstretched, open to the world. Venir nous parler de l'importance d'être un bon leader tel le tronc d'un arbre,
Nous invitons maintenant l'honorable Brian Kenny, ministre de l'Éducation et du Développement de la Petite Enfance du Nouveau-Brunswick, à venir nous adresser la parole. The Honorable Brian Kenny, Minister of Education and Early Childhood Development of New Brunswick, will now come forward and say a few words on how to be the best leader possible. Hey, this band rocks, eh? That's good for the band. You got a little groove going on here tonight. Bienvenue tout le monde, bonsoir. Votre honneur, Jocelyn Roy Vienneau, mon collègue, ministre Francine Landry, bienvenue. Madeleine Dubé, députée, Mayor Simard, distinguished guests, Don Hammond, welcome. His first time in New Brunswick, Don? First time? Second time. I thought you were coming up here with it was groove on, you were going to Dancing with the Stars or something tonight. Did you see the moves with Don tonight? He's got the moves. Hey. Yeah. Students, élèves, mesdames et messieurs, bonsoir. En tant que ministre de l'Éducation et du Développement de la Petite Enfance, je suis vraiment heureux d'être ici avec vous ce soir. I'm so happy to be here and honored to be on this stage tonight. Tout d'abord, bienvenue au Nouveau-Brunswick et bienvenue à Edmundston. When you guys were walking in tonight, when you ever wound up, I was so proud to be here as Minister of Education and Early Childhood Development to see you guys all wound up. So really welcome to New Brunswick. Who's the first time here tonight? We want you to come back. We want you to come back. So you're going to have some fun? Great. J'espère que vous aimerez votre séjour ici. Cette conférence et une bonne opportunité pour vous d'apprendre, de grandir et de faire une différence. J'aimerais féliciter le CSLA pour sa longue et prestigieuse histoire de succès et excellence. Le comité d'organisation a certainement fait un excellent travail. Let's give it up to the organizing committee here again tonight. What a great venue. Le fait que vous soyez tout ici afin de participer à la 32e conférence canadienne de leadership étudiante et la preuve de l'engagement et de longévité de cette groupe. J'aimerais aussi souligner l'excellent travail des étudiants et étudiantes ainsi que du personnel de la Cité des jeunes AM Somony pour la préparation de cette conférence. I'd like to thank each and every one of you for choosing to be here. And I know you're glad to be here. Many of you, your friends, are probably sitting at home tweeting or Snapchatting or Face Chatting or Instagramming or WeChatting. You didn't know any of that lingo, eh? Yeah. So feel free to send your messages out to the rest of the world that you're here in New Brunswick, okay? So I'll tell your friends. Yes. Au Nouveau-Brunswick. Nous comprenons l'importance d'encourager nos jeunes et nos façons pour toutes s'assurer que nos jeunes néo-brunswickois ont les outils dont ils ont besoin pour réussir. Je suis sûr que vous avez entendu ça une million de fois, que nos jeunes sont les clés de notre avenir, les leaders de demain, etc. Tout cela est vrai, mais vous êtes plus que ça. Cela veut vraiment dire, est-ce que vous avez le pouvoir? In this room today, could be a future prime minister, maybe a future minister of education. I bet you 30 years ago, I bet myself 30 years ago I wouldn't be standing on this stage here today. So you never know, your dreams could be there. You could be a superior court judge. You could be the person who cures cancer. Whatever you decide to do, things will change. But you're leaders right now. It's really up to you to have the power and the potential to be anything you want to be. You have the inspiration, you just need the inspiration, the motivation, the work ethic to get you there. And this conference is a great starting point for you. Over the course of the conference, I hope you will be inspired. I hope you'll be motivated.
I hope that you'll learn new things and meet new people that change your perspectives and broaden your understanding. Because you're not just the leaders of tomorrow, you're the leaders of today. You're our natural leaders. And this is the theme of the conference here today. This is the most awesome podium I've ever spoke at before, so it's pretty inspirational. Good job. I hope you'll return to your communities, even be more ready to lead and make a difference. That's why we need people like you in this country. People, young leaders, older leaders, whoever's ready to listen to help and make a change. Merci de m'avoir laissé partager ce moment avec vous. Je l'ai vraiment apprécié. Have a great time, everyone. You're gonna make lots of new friends, lots of memories, and enjoy your week here in New Brunswick. Merci beaucoup. Chaque feuille d'un arbre est importante et contribue à sa beauté. Dans notre logo, celle-ci représente les 13 provinces et territoires de notre merveilleux pays qui sont tous réunis par la grande feuille d'érable qu'est le Canada. Each leaf contributes in its own way to the beauty of a tree. On our logo, these represent the 13 provinces and territories of our wonderful country, all reunited by the majestic maple leaf that is Canada. Venir nous entretenir sur la beauté de tous se réunir ici, nous vous demandons d'accueillir notre maire fort de nature, M. Cyril Simard. To come say a few words on the beauty of having all of you here with us, here is our mayor, Mr. Cyril Simard. Distingués invités, distinguished guests, chers leaders, dear leaders, mes collègues du conseil municipal se joignent à moi ce soir pour vous souhaiter la plus cordiale bienvenue ici même à Edmundston. C'est un réel plaisir de vous recevoir dans notre magnifique ville, forte de nature. Comme leader naturel, j'imagine que ça vous sonne une cloche. My colleagues at City Council join me in welcoming you to Edmundston, and we're thrilled to welcome you to our beautiful city of a strong nature. And as natural leaders, this rings bells. Si on pouvait prendre une photo de ce que représente le leadership, ce serait une photo de vous tous et toutes assemblés ici ce soir. Car le leadership, ce n'est jamais une affaire d'une seule personne. C'est bien l'affaire d'un groupe de personnes qui décident qu'ils veulent avoir un impact positif sur leur communauté et sur l'avenir. And if we could take a picture to illustrate leadership, it would be a photo of all you assembled here tonight. Leadership is not of one person. It's a group of people who decide to work together to have a positive impact in their community and their future. Comme municipalité où la jeunesse exerce un leadership assumé, notamment grâce à la présence du secrétariat à la jeunesse, nous nous réjouissons de vous accueillir ici pour la conférence canadienne sur le leadership étudiant. As a municipality where youth exercises a strong leadership, and thanks to the presence of the youth secretariat, we look forward to your presence here for the Canadian Student Leadership Conference. Les jeunes doivent participer activement à construire l'avenir, et votre créativité et votre énergie, palpables ce soir comme jamais, doivent être mises à contribution partout. Je tiens donc à saluer votre présence à cette grande conférence
qui vous permettra encore plus d'être encore plus outillés pour faire progresser notre pays et notre société. Young people should actively participate in building the future, and your creativity and energy must be harnessed everywhere in Canada. I salute your participation in this great conference, that will help, and I hope it will allow you to be even better equipped to advance our society. Passez un agréable séjour ici à Edmundston. Amusez-vous, mais surtout, dessinez-nous un bel avenir. Have a great stay in Edmundston. Have fun, but even more importantly, go on and build the future. Merci beaucoup. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a seulement 12 feuilles sur le logo. La 13e est en forme de notre province hôtesse, le Nouveau-Brunswick. You may have noticed that there are only 12 leaves on our tree. The 13 is in the shape of our hostess province, Nouveau-Brunswick. L'étoile acadienne est située au cœur de la région du Madawaska à Edmundston. The Acadian star is located at the heart of the Madawaska region in Edmundston. Afin de vous souhaiter la bienvenue dans notre district, dans notre belle Acadie, nous invitons M. Luc Caron, directeur de l'éducation du district scolaire francophone du Nord-Ouest, à venir nous adresser la parole. To welcome you in our district, please welcome Mr. Luc Caron, superintendent of the Northwest Francophone District. Effrayable. Effrayable, guys, it's a word that we use to signify something that's great, something that's super. And isn't this effrayable here tonight? Dans le cadre de mon travail, je n'ai pas la chance souvent de m'adresser aux élèves. Ça se limite surtout aux employés, aux personnel enseignant ou direction d'école. And when I talk to teachers, employees, and principals in my school district, well, how can I say this politely? They're pretty boring. Because when I ask them, how are they doing when I'm in groups like this, they usually mumble out, well, fine. But I know that if I ask you guys how you're doing, je suis convaincu que si je vous demande à toute cette belle gang de jeunes comment ça va ce soir, qu'est-ce que vous allez me répondre? Là, voilà. Alors, bonsoir tout le monde. Distingués invités, au nom de tous les membres de la famille du district scolaire francophone du Nord-Ouest, j'ai le bonheur de vous souhaiter la bienvenue chez nous. On behalf of all the members of the Northwest Francophone School District's family, I am honored to welcome you to our beautiful region. I use the word family because one of our great strengths is certainly the ties that bind our students, our staff members, our parents, and our community partners, such as volunteers or financial supporters. During the next few days, you will certainly have the opportunity to feel the energy, spirit, and richness that emanates from these ties. They are greatly responsible for the possibility to hold such an event as the Canadian Student Leadership Conference here in Edmundston. Vous aurez aussi l'occasion de ressentir à quel point nous sommes fiers de vous recevoir chez nous. Un chez nous magnifique, parsemé de montagnes
et sillonnée de rivières. Un chez-nous qui porte en son cœur une partie de l'Acadie et de la francophonie, tout en étant ouvert aux différences culturelles. But most of all, I hope that you already feel how honored we are by your presence here with us. You are all leaders that make a huge difference in your respective schools and communities. You are the cream of the crop. The tools and skills that you came here to learn will certainly motivate you to continue your involvement and contribution in your communities, and therefore lead you to inspire others to do the same. J'en profite pour remercier l'Association canadienne de leadership étudiant d'avoir cru dans la candidature de la Cité des jeunes, et à mon prédécesseur, M. Beaulieu, M. Bertrand Beaulieu, qui a appuyé la candidature de la Cité des jeunes. Mais surtout, j'en profite pour remercier et féliciter la Cité des jeunes à M. Sormani, votre école hôtesse, pour ce grand rassemblement, de même que tous ses partenaires et amis qui ont travaillé très fort pour rendre inoubliable votre séjour parmi nous. Merci. Bonne conférence à tous. Go CCLE, go CSLIC. Notre thème, Natural Leader, leader naturel, a été conçu pour vous représenter car nous avons la forte croyance que vous êtes tous et toutes des leaders naturels. Our team, Natural Leader, leader naturel, was conceived with you in mind because we strongly believe that you are all natural leaders. Engravé dans le tronc, c'est ici que nous vous accueillons. Engraved in the tree is where you'll be, à la CDG. Et finalement, veuillez applaudir chaleureusement notre leader à la CDJ, notre directeur, M. Bertin Lant. Our last speaker, but not the least, is our school principal, Mr. Bertin Lant. Je suis vraiment content que vous soyez ici ce soir. Distingués invités, membres du personnel de la Cité des jeunes et du comité organisateur, chers moniteurs et chers délégués, it is with great pleasure that I wish you a warm welcome at this beautiful conference. Bienvenue dans notre chaleureux petit coin de pays. Nous vous attendions avec fébrilité et c'est avec fierté que nous vous recevons. I really hope that you will remember this week for a long time, that you will be able to connect, to make new friends, that you will learn new ways to show your skills and ways to let others appreciate your leadership. J'ai le sentiment que votre présence ici à Edmundston laissera une marque dans la mémoire collective. Laissez-vous motiver par ce mouvement et soyez vous-même une motivation ici et à votre retour chez vous. We are ready. Friends all over the area have come forward to make this happen. And I thank them. Delegates from all around Canada, be prepared for a wonderful week. Spirit leaders will make sure to keep you in a good mood all the time. Your job is to enjoy and to bring back home this wonderful adventure. Ici à la conférence, vous entendrez la langue anglaise. Dans notre communauté francophone, c'est votre chance de parler le français et de vous initier à notre accent. On dit qu'on affiche nos couleurs lorsqu'on présente qui nous sommes. Chez nous, c'est dans notre culture que nous arrivons à démontrer la beauté qui nous entoure. Je vous souhaite une très belle conférence. I wish you a great conference. Merci.
Avant de déclarer la conférence officiellement ouverte, il nous manque un élément très important, notre emblème national du CCLE. Before declaring this conference officially opened, we are missing one important element, our national CSLC symbol, the doves. The United Nations decreed that 1985 be the International Year of Youth. This year was also the year of the first Canadian Student Leadership Conference was held in Yorkton, Saskatchewan. Raymond Smock, un élève de Yorkton Regional High School, a confectionné et sculpté les colombes pour représenter la jeunesse, la participation, le développement et la paix dans cette année de la jeunesse. The sculpture has been passed on from conference to conference. A bronze casting of the doves was created at CSLC 2005 Lloydminster Wainwright as a permanent symbol of host conferences. Nous invitons à nouveau Élise et Jacob à bien vouloir s'avancer et apporter les colombes à notre arbre. We now invite again Élise and Jacob to bring the sculpture to the tree. Dans notre histoire, les Amérindiens ont prêté main forte aux Acadiens après leur déportation. Les deux peuples devenus amis ont accompli de grandes choses pour faire de cette région un endroit où il fait bon vivre. In our history, the native people helped the Acadians after they were deported, both reunited in order to provide a safe and beautiful place for us to live in. Selon la légende, deux personnalités fortes sont devenues nos héroïnes régionales. Elles sont nos leaders du passé. Il s'agit de Blanche Thibodeau et de Maloubiana. Nous sommes choyés qu'elles aient décidé de revenir aujourd'hui pour voir qui sont nos leaders ici présents. According to the legends, two wonderful women have become our local heroes, our leaders from the past. They are Blanche Thibodeau and Maloubiana. We are so happy that they decided to come back to us today to see who are today's leaders. Please welcome, s'il vous plaît, accueillir Tante Blanche et Maloubiana. I am Maloubiana, a young native hero belonging to the Meliseet tribe. That's what the legends say. I sacrificed myself for my family because they were destroyed, as well as my village. While I'm not finished. While the Iroquois were asleep in their canoes, I guided them to the huge destructing falls. That's what the legends say. But before hitting the rocks like the warriors, I transformed myself into a bird to fly away. People say that when there's a full moon, you can see me from across the water's wall. Some even say you can hear me sing from afar. I am Tante Blanche Thibodeau. De mon vrai nom, Marguerite Blanche Thibodeau. C'est isolant. J'ai sauvé mon peuple d'une grande famine, d'un blizzard de 7 jours et 7 nuits, s'abattant sur notre belle région. Selon la légende, les gens y avaient faim, y avaient frais, y avaient besoin de mon aide. Moi, la vieille femme du blanc, j'ai râlé ma régine, j'ai mis mes raquettes, puis je suis décollée. Une couverte par-ci, des légumes par-là. Les gens ont survécu avec mon aide. Selon la légende. Mais oh, la force et le courage ne sont pas mes seuls atouts. On raconte que j'avais des pouvoirs de guérison, qu'avec moi, les ennemis finissaient toujours par se donner la main.
On va même jusqu'à dire que quand vous pensez à moi, à chercher un objet, l'objet apparaît. Legends create our characters as a nation. Elles nous enseignent à donner, to find strength in each of us. À faire la différence. And you, will you become a legend? Moi, je suis une légende. Je suis la meilleure. No, I'm the best. Ah oui, moi aussi, Molo. Je te gage que je suis capable de faire apprendre des mots français à tout ce beau monde ici présent. Well, these people, they don't want to learn any French words. They're here to learn how to become leaders. Ben justement, un bon leader devrait être bilingual. Okay. I will come and help you, you know, to make sure you treat these wonderful people right. I don't need your help. I will come every morning this the week to teach the people a new French word. Yeah, I will come and help. No, I don't need your help. I can even to show you right this way, là. Right now. This I can't wait to see. I will tell the people something important in the French. En français. Go on. What to teach them? Yes. You see there in the back of the U? Turn your body. Yes, turn around. Yes, you see the red light flashing there? That's called the sortie d'urgence. You repeat? Sortie. Again? I knew they would be capable. Well, exit signs are the same in French and English. That one was easy. You know, they're intelligent people. They knew to look for emergency exits before they came in here. Ben, en tout cas, sortir d'urgence ou pas, m'a vous montré plein de nouveaux mots cette semaine, les amis. We'll be back, and I'll make sure she teaches you very important words from this region. I'll even throw in a Malicet word. Okay, it's a deal. À demain, the people! See you tomorrow! Merci tant de lancer Malobiana. Nous avons hâte de vous voir demain matin pour notre première journée officielle de la conférence. Le comité organisateur a travaillé ardument à vous offrir une semaine remplie d'activités aussi intéressantes les unes comme les autres. Mais une semaine telle celle-ci vous est aussi présentée grâce à la générosité de toute une communauté. Nous ne pouvons jamais assez remercier les nombreux commanditaires et organismes qui nous ont prêté main forte. The organizing committee have been working non-stop for 3 years to bring you this conference packed with activities, all as interesting as the other. But a week such as this one is being brought to you by the generosity of a whole community. We will never be able to thank enough all the sponsors and organisms who gave us all sorts of support. Nous demandons maintenant à nos commanditaires ici présents de se lever. We now ask all of our sponsors to stand up. Veuillez s'il vous plaît montrer votre appréciation à ces généreuses personnes. Let's show our deepest appreciation to these wonderful people. Les plus co-présidents de la conférence.
Nous invitons maintenant les deux co-présidents de la conférence, M. Éric Marquis et Mme Élise Aymon-Gendron, ainsi qu'à nos deux élèves porte-parole, Élise Gendron et Jacob Pelletier, à venir déclarer la conférence officiellement ouverte. We now ask our two co-chairs of this conference, Mr. Éric Marquis and Mrs. Denise Aymon-Gendron, with our two students representing the organizing committee, Élise Gendron and Jacob Pelletier, to come and officially declare the opening of this conference. We declare la 32e conférence canadienne de leadership étudiant, the 32nd Canadian Student Leadership Conference, officially ouvert. La chanson thème de la conférence vous sera interprétée par nul autre que Madame Danica Nadeau. Danica was born here in Edmundston, New Brunswick, and she attended this high school. In her 12th grade, she was the president of the student council. This secured her place as a young leader to the conference in Charlottetown, Prince Edward Island, in 2009. Sa véritable passion pour le chant débute en fin de secondaire. Elle quitte donc sa petite ville natale pour aller étudier en chant, en musique, chant, jazz à Toronto. Elle complète son baccalauréat en musique de l'Université de York ainsi qu'un baccalauréat en éducation de l'Université de Toronto. Danica a percé sur la scène musicale en 2011 en remportant un concours pan-canadien d'interprète cover sur YouTube avec la chaîne de télévision Much Music et Coca-Cola. Suivant ce concours, elle enregistre deux chansons, Second Best et Heartbeat, suivi de vidéos qui ont tourné sur la chaîne de Much Music. Elle continue d'enregistrer des covers de ses artistes favoris sur la chaîne YouTube Danica Nadeau et sur son site Facebook. In these last 3 years, she has been known as a successful author, composer, interpreter, with producers from all around the world, Canada, USA, England, Germany, and Russia, to name a few. She wrote and recorded many electronic dance music under the Canadian label Monster Cat, situated in Vancouver. Her songs have had more than 40 million YouTube hits, giving her visibility around the world. A few even made it to the number one charts in the ADM Beatport. Présentement, Danica enseigne dans une école d'immersion française à Richmond Hill à temps partiel afin de pouvoir continuer son ascension dans le domaine musical. Danica fait également partie d'un groupe musical dans lequel elle interprète des chansons du top 40 à des événements corporatifs et des clubs dans le Grand Toronto. Elle continue son travail avec Monster Cat, en plus de travailler sur son projet personnel, qui est d'écrire et d'enregistrer un EP dans le but de vraiment lancer sa carrière musicale. This conference theme song, Into the Limelight, was released in collaboration with the producer Sam Dobkin, known as Trevecta, from Tampa in Florida, who was in charge of the music with Danica composing the lyrics. Après avoir entendu la chanson et les paroles, le comité du colloque en a fait la chanson thème. Les paroles reflétaient un beau message d'espoir pour les jeunes participants à la conférence canadienne de leadership étudiant. Nous interprétant Into the Limelight, la voici. Give it up for Danica Nadeau. Said this was gonna never be breathed.
Canada. From the little squirrel to the big bear. Merci, Danica. Vous pouvez suivre et encourager Danica en aimant sa page Facebook, YouTube, Instagram ou Snapchat sous Danica Nadeau. Ceci complète nos cérémonies d'ouverture. Veuillez prendre note qu'à la suite du prochain numéro, nous vous invitons à vous rendre dans les locaux où vous avez laissé vos valises. Vos familles d'accueil seront là pour vous accueillir. This completes our opening ceremony. Please note that after this next number, you may return to your luggage where your billet family is waiting to meet you. Nous ne pouvons vous laisser partir sans vous dire à quel point nous sommes heureux que vous êtes ici avec nous cette semaine. Les élèves de la Cité des Jeunes vous attendent avec impatience depuis bien longtemps. Ils ont fait des recherches sur vos provinces et un groupe d'anglais langue seconde en 10e année ont écrit un poème représentant les provinces et territoires étant présents à cette conférence. Nous vous invitons à les suivre dans la danse à la fin de leur numéro afin de sortir de l'auditorium. We can't let you leave without telling you how much we have been awaiting your presence. A group of English second language 10th grade students have created this poem by researching all the different provinces that have delegates here in this conference. We ask you to join in their dance at the end to exit the auditorium. We also want to thank again our dignitaries and sponsors for coming to see us today. Nous voulons également remercier une autre fois nos nombreux dignitaires et commanditaires ici présents. Nous vous souhaitons une belle fin de soirée et avons hâte de vous revoir demain. We wish you a nice evening with your new billet family, and we can't wait to see you again tomorrow. And now, please welcome our dancers hip-hopping to the lyrics of Canada's poem. S'il vous plaît, accueillir nos danseurs interprétant le poème du Canada. Notre terre, Canada. From the little squirrel to the big bear, or the wild rose growing in the fresh air, running free in the plains looking at a majestic blue sky, or on the Rocky Mountains, way up high. Des milliers d'évacués furent relocalisés, mais les feux n'ont pas réussi à briser la communauté. Car la force des gens en Alberta, coude à coude, les reconstruira. La belle province, le français en avant-plan, tous ces gens remplis de talent. Guy Jodoin, Michel Therrien, Luc Langevin, Charles Hamelin et Samuel de Champlain. Le Québec, je me souviens. So full and rich in history. De rochers percés, de châteaux Frontenac. Some beautiful sights to see. Montreal City Lights guide the province far and wide. Au paradis du golfeur. Venez voir l'île du Prince-Édouard. Car dès en ouest, nos plages sont pittoresques. Our beautiful red sand. Where Green Gable is the home of Anne. With our exceptional hospitality, fishing and farming is our cup of tea. The everlasting snow will stay in the highest woods, where the breathtaking view of the Rocky Mountains will carry you to your second childhood. Les Jeux Olympiques à Vancouver nous rappellent nos souvenirs d'hier. Bryan Adams, Carly Rae Jepsen, Nelly Furtado. In BC, they're the ones you need to know. Terry Fox, such an ambitious guy, he showed the world that determination is not to hide. Dans notre ciel, les aurores boréales dansent. En hiver, à toute heure, en abondance. Up north is where you should be, because my name is the Northwest Territory. You might not know me, but let me show you my beauty. I am Arctic cold, like a rose is spiky. That's why they call me the Diamond Valley. Avec leur culture irlandaise, à venir les visiter, tous sont à leur aise. En haute mer, on peut voir un macareux moine, c'est l'emblème de leur patrimoine. The cold ocean has spoken quite often in the mountains, my heart just in the light and sand. But my heart will always stand in Newfoundland. Les chutes Niagara, la tour du CN, le parc Algonquin, notre capitale, la fierté des Canadiens. Hi, I am Ontario. Here, find all your political info. Also come see an animal show in Marineland, or ride a roller coaster in Canada's Wonderland. It's worth it to take the plane. Welcome to the game.
en plein centre du pays, à travers notre vaste terre. On peut pêcher dans les lacs et la rivière. Cause when the sun shines on the prairie, everything becomes gold and sunny. And when it comes down, everything looks like a showdown. Welcome to Saskatchewan! Nova Scotia has the Atlantic Ocean on the south and east, where lobster is a great feast. Apples, blueberries, pears, and strawberries grow in the Annapolis Valley. So make sure they're not eaten by an osprey. Et vers la Nouvelle-Écosse sur le Blue Nose, venez voguer. En français ou en anglais, on pourra dialoguer. Venez vivre une aventure dans cette province riche en villégiature. Used to a very long night, we work hard in the daylight. Having to deal with a long winter, we strongly endure our summer. Inuksuk, the stone that helps us find our way, so that there is no more bad day. Nous la voûte, tu as notre force, notre fierté. Avec sa beauté naturellement merveilleuse, en plein milieu des prairies radieuses. The Manitoban culture is one of a kind, from Aboriginal and Métis combined. From fictional bear to the king of grunge, they're known as famous icons. For this keystone province named Manitoba, form itself into a unique gem, abracadabra. NB, the place everyone wants to be. The only place on earth that's worth watching the sunset on my doorstep. Venez voir nos rochers, nos marais. Les plus énormes sont dans la baie de Fundy. Français, anglais, c'est la dualité. Au Nouveau-Brunswick, c'est ça notre fierté. And you, Canada's leader, we welcome you to our corner. Tu es un leader naturel. Cette semaine, on te donnera des ailes. Merci encore à nos nombreux donateurs. On vous invite à vous diriger vers la sortie et bonne fin de soirée. Thank you again to each of you. We now welcome you to lead towards the